m'opère visite pour qu'ils nous chantent ensemble. Peu importe que tu étais à la maison, peu importe que tu étais, qui nous capable louer ce Dieu Tout-Puissant, car il dit dans sa parole, quand deux ou trois sont réunis en son nom, je suis là au milieu de vous. Et qui nous capable sentir la présence de Dieu. M'envie qui nous lire ensemble un texte qui trouve dans Ésaïe, chapitre 42, les versets 10 à 12. Quand il dit ceci, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans toutes les îles, on publie ses louanges. Quitte la gloire des saints, nous les guerres, les grands. Nous paix proclame tout grand d'air, quitte la gloire des saints, quitte la gloire des saints, nous les guerres. Ce matin, nous les quittons des bottes de joie. Parce que même dans une situation difficile, te donne l'occasion pour louer toi et pour adorer toi. Bon Dieu, qui te manange, capable de sentir avec nous, qui toi-même, bon Dieu, te capable de participer dans cette adoration-là, afin que tous les chants qu'il nous peut faire, capable de donner la gloire qui te méritait. Nous demande-toi pardon, nous dis-toi, purifie-nous, lave-nous, mais aussi qui, dans tout ce qu'il nous peut faire maintenant, nous capables de sentir ta présence. Nous prions toi dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons à adorer bon Dieu avec le chant « Venez le célébrer ». Seigneur, venez le célébrer.
Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons qu'à chaque fois qu'on nous confesse nos bons péchés, Dieu est là pour pardonner nous. Et quand nous lisons ce texte qui trouve dans 1 Jean, chapitre 1er, et les versets 8 à 9, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous prenons un moment et nous pour confesser nos péchés à Dieu. Après quoi, nous pour prendre le chant « Seigneur, pardon, Seigneur ». Pardon, pour toujours.
Pourtant, c'est que quand nous tournons vers la croix, nous trouvons l'amour et la puissance de Dieu. Et dans la situation qui nous peut vivre, tous nos regards sont bien fixés sur Jésus. Amen. Car Jésus, c'est celui qui donne nous la vie, c'est celui qui donne nous l'espérance, et c'est celui qui revient bientôt. Comme on lit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18, il dit à moi ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix est une puissance de Dieu. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté.
Bonjour à tous, bienvenue, moi le pasteur Sandrine, et aujourd'hui nous pouvons ensemble l'histoire d'Abraham et sur la vie en rapport avec la prière. Alors, qu'est-ce que la prière, premièrement? Souvent, nous un peu confus par rapport à la prière, nous perd faire la prière, nous pensons qu'il ne la prière pas assez bien pour que bon Dieu exauce nous. Il y a beaucoup de choses qui dans nous la tête, nous mettre dans nous la tête, une crainte qui n'est pas biblique, qui est basée plutôt sur nos points de vue humains. Alors, qui la Bible dit à nous par rapport à la prière? C'est quoi la prière? La prière, c'est une communication qui nous a avec Dieu. Matthieu, dans le livre de Matthieu, Jésus vous donne l'exemple de la prière qu'il nous supposait faire, un modèle pour chaque jour. Alors, dans ce modèle de prière-là, nous ne pouvons pas attendre nous trop long là, mais il donne nous un exemple, un modèle qui nous bien suivre pour faire la prière. Il comme dire un CV. Souvent, nous trouvons, quand nous bien faire un CV pour le travail, nous allons le Google et nous avons un modèle qui nous capable de suivre. Mais la Bible donne nous ce modèle à travers Matthieu, quand Jésus vous donne le Notre Père comme exemple. Alors, qui nous trouvait, il dit à nous comme ça, prier pour que la volonté de Dieu capable de faire dans nous la vie, dans tous les aspects de nous la vie. Nous avons prié pour que bon Dieu protège nous de tout mal et de tout danger, de la tentation. Nous disons à nous que nous avons besoin de bon Dieu pardon pour tout le péché qu'il nous fait. Et nous disons à nous, donne-nous chaque jour notre pain. Alors, ça montre nous aussi la fréquence qu'il nous supposait prier. Ne pas supposer prier une fois la semaine, une fois le mois, une fois l'an, mais nous supposer prier chaque jour. C'est ça qui le modèle montre nous. Alors ça, c'est un modèle que le Seigneur de nous, qui nous vient suivre, pour faire la prière. À cela, disons nous guide de notre Père, c'est seulement quelques lignes, c'est seulement quelques mots, et la prière extra simple, qui n'importe qui s'en a fait, capable de faire. Donc, on n'a pas stressé par rapport à la façon qu'il nous supposait prier, à la formule qu'il nous disait, mais nous simplement, il n'a pouvait nous léguer à Dieu et d'y aller clairement et directement nous besoin dans nous la vie de chaque jour. Alors, comme on m'a dit à Zeut, nous pouvons être ensemble l'histoire d'Abraham. Abraham, qui n'a pas vu la bande du monde, pas connu trop ces histoires, donc on fait un résumé de ces histoires. Nous sommes capables d'y aller dans Genèse 12, à monter jusqu'à 16, même plus, raconte-nous l'histoire d'Abraham et ce parcours avec Dieu. Alors, il commençait, il dit à nous qu'Abraham peut vivre à Ur, en Mésopotamie. Et bon Dieu, pour dire qu'il quitte ce pays à un âge assez avancé, il faut bien quitter ce pays avec ce madame, avec ce troupeau, avec ce bon serviteur, pour aller dans la terre promise. Et en passant, nous bien connaissons qui, quand mon Dieu peut dire, aller quitte le pays pour aller dans la terre promise, ce n'est pas lui qui peut gagner la terre promise en question, mais ce ban descendant après lui. Toute la vie, Abraham peut être un nomade. Et alors qu'il est pour quitter ce pays, Lot peut aller avec lui, c'est ce neveu. Mais le souci, c'est qu'ils étaient tellement riches à l'époque, la richesse, l'étie par rapport au troupeau qui nous tient. Ils étaient tellement riches tous les deux qu'ils pouvaient avoir une querelle et ils pouvaient bien se séparer. Et par la suite, alors qu'il dans ce cheminement, dans ce obéissance à Dieu, alors qu'il peut faire route vers la terre promise, il arrive des moments où il peut douter de Dieu. Alors la Bible dit à nous qu'il est marié avec ce demi-sœur. Maintenant, beaucoup de monde sont horrifiés quand ils entendent ça, mais il faut penser, il faut qu'ils se rappellent que c'était d'après un contexte, qu'Abraham, il vivait dans un pays païen et c'était la culture. Ce n'est pas un problème qu'ils étaient mariés en demi-sœur et demi-frère. Mais la Bible bien spécifique à ce sujet, les paroles de ban relation interdite, ban inceste. Et ce qui peut arriver, c'est qu'à plusieurs reprises, à deux reprises, les poucos mentir. Les poucos dire que Sarah, c'est ce demi-sœur. C'est ce sœur. Parce qu'il y perd, parce que Sarah tellement belle, attention, qu'il ban dimoun, retouille pour prendre sa femme. À deux reprises, donc, il peut douter de l'Éternel. Mais l'Éternel pour aider.
Et le souci avec Abraham et Sarah, c'est qu'ils ne sont pas capables de gagner des enfants. Et ça tient une souffrance. Ça tient un problème. Ici, une douleur pour les deux. Parce que vous êtes capables de trouver autour de eux tout le monde qui tient à bas des enfants. Mais pour eux, ils ne tiennent pas. Donc, c'était douloureux pour eux. Et ce qui peut arriver, malheureusement, Abraham, il peut douter. Il peut penser qu'il était peut prendre beaucoup de temps. Donc, il peut mettre la main dans la situation. Et il peut mourir, il peut prendre Agar, il peut gagner un enfant avec Agar, Ismaël. Et par la suite, bon Dieu, parce que tellement ça qui peut causer un problème, c'était un foyer uni que tu es dans l'amour, finalement, fini dans la rivalité, les querelles, la jalousie, que Agar avec Ismaël, tous les deux, se bien quitte. La quitte cette famille, quitte ce peuple, pour être allé ailleurs. De bien quitte Abraham et Sarah. Donc, ça nous trouve lié comment, à travers toute l'histoire, bon Dieu peut être avec Abraham quand même, malgré ce banéreux. Et nous trouver aussi qu'au final, à l'âge de 100 ans, bon Dieu peut donner son fils promis, tant attendu, Isaac, quand tout espoir finit, tombe à l'eau. Alors, quelle bonne leçon qu'il nous capable de trouver par rapport à l'histoire d'Abraham? Premièrement, nous trouvons qu'Abraham, c'est un homme qui, quand il y aller, il pense Dieu en premier. Dans Genèse 12, nous trouvons que l'Éternel qui apparaît à Abraham et s'est dit à lui, je donnerai ce pays à ta postérité, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc, qu'Abraham tu peux faire? Tu peux invoquer l'Éternel, tu peux bâtir ben l'autel et fréquemment, tu es en communion avec l'Éternel. Malgré le fait qu'il se l'avait bâti en rose, malgré le fait qu'il était bon Dieu parti de nuit, ce fils tant attendu, malgré le fait qu'il était bien atteint, qu'il était difficile pour lui, mais quand même, il met Dieu en premier, il invoque l'Éternel, il fait ban l'autel quand il y allait, parce qu'il a envie de rechercher l'Éternel. Il priait constamment. Et quand il se sentit découragé, il demande bon Dieu, mais bon Dieu, tu ne fais moi une promesse. Qu'en est-il de cette promesse? Et bon Dieu, chaque fois, pour rappeler qu'il y poignait le Fils promis. Et ce qu'il nous est capable de trouver aussi par rapport à Abraham, c'est un homme persévérant. Alors imagine depuis combien d'années, l'Inatan, jusqu'à l'âge de 100 ans, pour être capable de gagner ce garçon. Et souvent, nous plaignons qu'on a besoin d'attendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Est-ce qu'ils étaient capables d'attendre 60 ans, 70 ans? Ça a été le cas d'Abraham. Mais malgré tout, l'in persévérer, l'in reste fidèle à Dieu. Dans Hébreux 11, verset 1, verset 6, c'est déjà dit comme ça, que la foi, c'est croire que bon Dieu existait. Et quand nous avons la foi, bon Dieu, l'époux récompense nous par rapport à la foi qui nous est là. Donc, premièrement, quand nous pouvons faire la prière, nous devons croire que bon Dieu existait. Et nous devons croire que l'époux donne nous ce qui est meilleur pour nous quand nous prions lui, que peu importe combien de temps l'époux prend pour répondre nous, mais en temps et en lieu, il pourrait répondre nous. Et nous trouvons un exemple de la persévérance dans une parabole que Jésus finit de raconter dans Luc 18, au verset 2 à 5. Alors, il dit à nous, il dit, il y avait là dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point l'Éternel et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alors, beaucoup du monde peut penser que ce juge inique, c'est Dieu. Mais loin de là. Au contraire, bon Dieu a envie de montrer un contraste entre ce juge qui ne craint pas l'Éternel et Dieu.
Et il dit à nous comme ça que chaque fois, cette veuve, Palgit, le roi, le juge, pour dire à lui, fais-moi justice de ma partie adverse. Ce que ça veut dire, c'est qu'il te fait face à une injustice. Alors, quelquefois, nous aussi, c'était sur la prière. Quelquefois, nous aussi, nous sommes capables de faire face à une injustice. Par exemple, dans le cas d'Abraham, pour lui, capable de trouver injuste qu'il n'ait pas gagné un enfant. Peut-être à l'époque, la Bible dit à nous qu'il tient à la nation, qu'il peut faire même un sacrifice d'enfant. Peut-être qu'il peut dire, mais bon Dieu, tu n'as pas de moins d'enfants, mais qu'il peut dire, tu as des enfants, tu peux sacrifier, tu peux brûler. L'injuste. Peut-être de nos jours, nous pouvons faire la même expérience, nous ne pouvons pas gagner des enfants, mais nous pouvons trouver qu'il y a des gens qui n'ont pas mérité de gagner des enfants. Capable, nous pouvons trouver, nous pouvons prier, nous demander bon Dieu pendant longtemps, bon Dieu, fais-moi gagner un travail. Mais nous trouver ça des gens qui pas croient dans bon Dieu, ils peuvent gagner une loterie, ils peuvent gagner un casse, ils peuvent travailler, ils peuvent gagner un gros loto. Et nous trouvons ça injuste. Capable, nous pouvons rester fidèles avec le Seigneur, avec l'Éternel, nous pouvons prier, mais nous sommes encore malades, nous sommes encore souffrir, nous sommes encore pas pu trouver aucune solution par rapport à nos problèmes qu'ils peuvent vivre actuellement. Mais cette veuve-là, elle envoie, elle fait une la prière bien simple au juge. Se demande, se requête direct. Fais-moi justice de ma partie adverse. Donc, vous êtes si capable de prier de la même façon, avec persévérance à Dieu. Seigneur, fais-moi justice de ma partie adverse. Peu importe quelle injustice je peux vivre, je peux subir en ce moment, mais vous êtes capable d'aller vers Dieu, l'époux, en son temps, répondre aux autres. La Bible pendant longtemps, il refusa. Alors, moi, je qui persévérance, madame Latina, cette veuve Latina. Parce que le juge, il partit craindre l'éternel, il partit craindre Dieu, il partit bon, il partit au contraire, il dit comme ça, madame là, ça fallait pas venir là, elle me rompt la tête. Mais, parce qu'elle persévère, je vais lui donner ce qu'elle veut. Alors, qui se l'espoir, ça madame là? Elle dit qui n'a grand sens qu'il y pourrait répondre lui. Mais seulement chaque fois qu'il persistait, qu'il persévérait, pendant longtemps qu'il priait, pendant longtemps qu'il fait cette requête au juge, et finalement, le roi pour faire lui pour répondre à sa requête. Et là, il dit à nous comme ça que c'est un contraste par rapport à Dieu, parce que bon Dieu, lui, il crée nous, il met toutes choses autour de nous quand il crée nous pour qu'il nous capable vivre bien, pour qu'il nous capable vivre heureux. Et il montrait nous l'amour qu'il y en a pour nous. Ce n'était pas son plan qui nous souffrait, ce n'était pas son plan qui nous passe par la difficulté, ce n'était pas son plan qui nous passe par l'amour, mais c'est à cause du péché. Et malgré le fait qu'il nous péchait, qu'il ne pas mérite non rien, Jésus, il vient nous la terre, il mort pour nous, pour qu'il nous capable de venir à la vie éternelle. Donc, si Dieu, qui est grand, qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas besoin de nous, nous, bien lit, mais lit tout le temps là pour nous. Lit tout le temps là, lit créer nous, lit pouvoir nous ban besoin, lit pouvoir à nous salut. Donc, quelle différence est là entre Dieu et cet homme, ce juge qui par crainte l'éternel? Donc, si un du monde qui est mauvais, capable de faire de bonnes choses, mais nous autres, ça bon Dieu là, à quel point il est prêt pour faire de bonnes choses pour nous, mais nous bien persévérer comme à cette veuve là. Qui se cache encore plus grave, parce que les types de demandes. Tous les jours, tu fais des ronzis, tous les jours, tu as ce juge-là, mais c'est ma partie d'un grand espoir pour lui. Mais à combien plus forte raison, nous avons un espoir par rapport à Dieu qui est bon, Dieu qui est bon, il pour répondre nous quand nous prier. À cela, nous faisons la prière, il est bon, oui, mais c'est moi comment nous connaissons qui Jésus pour répondre nous, comment nous connaissons comment bon Dieu pour répondre nous. Il y a un mystère pour beaucoup de personnes, mais les réponses se trouvent dans la parole de Dieu elle-même. Alors, quelle bonne réponse? Alors, nous prier, oui, mais nous devons attendre que bon Dieu pour répondre nous. Et de quelle manière est-ce qu'il répond nous? Premièrement, à travers les hommes. Dans Proverbe 15, verset 22, il dit à nous, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. À cela, nous devons faire très attention parce que par rapport à nous, compréhension des choses, nous pensons, nous besoin de galop partout, nous racontons nos histoires partout pour qu'ils nous gagnent une réponse. Parce que ce qu'ils sont capables de faire, c'est manipuler les faits pour qu'ils nous gagnent une réponse favorable à ce qu'ils nous envient. Pas forcément ce qui bon Dieu l'est pour nous.
Alors, quand il dit à nous comme ça que les projets pour réussir, quand il y a de nombreux conseillers, c'est qui? Nous prier. Et ce qui bon Dieu pour faire, c'est qu'il y a du monde qui ne pas même demander pour venir dire à nous une réponse par rapport à nous la prière. Peut-être la personne qui peut prêcher à l'église, un prédicateur, un message sur YouTube, un message sur Facebook, bon Dieu capable de répondre nous à travers un monde qui par contre même nos situations. Ou quelquefois nous capables d'aller à un monde pour demander un conseil et nous demander cela, nous prier avec ça du monde là et nous dire bon Dieu, mais montre-moi, est-ce que c'est ta volonté? Deuxièmement, bon Dieu capable de répondre pour les rêves. Bon Dieu capable de répondre pour les circonstances. Et la Bible dit à nous dans Apocalypse 3, verset 8, comment nous capables de connaître qui bon Dieu peut répondre à travers les circonstances? Il dit à nous, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors ça, c'est l'autre moyen que bon Dieu pour répondre à nous la prière. Quand nous prions, puis nous avons la porte qui peut ouvrir. Si c'est dans le plan de Dieu, peu importe quelle est la requête, peut-être. Il est capable par rapport à un travail, il est capable par rapport au fait qu'ils ont envie à l'étranger, il est capable par rapport à toute la santé, il est capable par rapport à cette bonne relation, par rapport au fait qu'ils ont envie de gagner un bébé. Mais je peux trouver que, bon Dieu, quand je priais, pour une bonne la porte qui pouvait, si c'est la volonté de Dieu. Je peux trouver que toutes choses ensemble, selon la providence de Dieu, divine, je peux trouver pas la voie peut ouvrir, ma solution peut apparaître alors qu'ils n'ont pas même atteint. Et ensuite, il dit à nous qui, à travers les signes. Ça, c'est un peu dangereux parce que beaucoup de monde, je peux dire qui, bon Dieu, réponds-moi et je peux imposer un signe à Dieu. Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? La Bible montre-nous qu'il y a beaucoup de monde qui peut demander un signe. Et bon Dieu peut donner ce signe qu'ils ont demandé. Mais ne bien faire attention à qui bande signe qu'il demandait. Par exemple, nous lever, nous trouver les temps bien gris. Là, il dit, bon Dieu, si c'est ta volonté, ça, si la pluie tombait, ça veut dire oui. Par exemple, côté moi, tous les lundis, camion saleté a bien passé. Alors, on me dit, bon Dieu, si c'est ta volonté, ça, faire qui, aujourd'hui, lundi, camion saleté passé. Donc, c'est même quelque chose qui. C'est un signe qui nous peut manipuler pour nous gagner une réponse de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas attendre bon Dieu quelque part, mais nous peut fausser la main de Dieu. Nous peut fausser volonté, nous peut fausser nos volontés plutôt que la volonté de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Mais est-ce qu'il n'est pas bon de demander un signe? Dans Genèse 24, on trouve l'histoire de Isaac et de Rebecca, qui est le fils d'Abraham. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Pour arriver à un moment, Isaac, pour grandir, mais il peine à madame. Et Abraham pour dire à ce serviteur, allez, à l'audit de madame, pour mon garçon. Et Abraham et Isaac, tous les deux, ils n'ont pas pour bouger de l'endroit où ils étaient, et le serviteur pour aller. Et là, le serviteur pour demander un signe à Dieu, il peut dire, bon Dieu, si c'est ta volonté, fais qui sa madame qui peut venir, si c'est la femme que Isaac bisaina, fais qu'il y vienne et qu'il y propose moi à bord de l'eau. Et avant même qu'il ait fini, la Bible dit à nous, avant même qu'il ait fini, Rebecca pour venir, la future femme d'Isaac, et lui pour remplir de l'eau pour qui le serviteur boit. Et non seulement ça, il peut dire, attends-moi pour donner aussi à boire à tes chameaux. Ça, c'était pas un signe évident, parce qu'à l'époque-là, ben madame patine un rapport avec les hommes. Ils étaient bien restés dans ce coin. Mais il prend les devants. Et c'était quoi? Le signe qu'il lui demandait, fait qui? Sa madame-là, une madame qui n'a bon cœur, qui généreuse. Et il peut trouver qu'avant même qu'il ait fini de causer, Rebecca peut arriver pour donner à boire, pour donner aussi au chameau à boire. Et ne trouver pas seulement ce signe qu'il lui demandait là, qu'il est pour gagner. Bon Dieu, pour donner le signe qu'il lui demandait, pour donner encore d'autres signes positifs. Par exemple, le fait qu'il peut donner au serviteur, il peut donner au chameau à boire. Et puis, quand le serviteur parle cause avec Rebecca pour dire à lui, qui fait l'invini,
Rebecca peut accepter pour suivre lui. Ça, c'est un autre signe. La famille de Rebecca peut accepter qu'il y allait. C'est un autre signe. Le fait qu'ils puissent aller très rapidement, ils pourraient tourner vers Abraham et Isaac, ça montre nous que c'est plusieurs signes que le Seigneur finit de donner, qu'il y approuve le choix de Rebecca. Et Abraham s'est demandé que Rebecca soit une parente. Et effectivement, Rebecca, c'était une parente d'Abraham. Donc, nous trouvons que quand bon Dieu pour répondre, tout la porte pour ouvrir, tout un signe pour positif. Et nous devons faire attention, bien attention quand nous pouvons prier, qui mène la porte qui est ouverte, qui mène la porte qui est fermée, et qui mène signe qui bon Dieu de nous. Quand bon Dieu de nous mène signe, nous devons prêter attention à ça, mène signe-là. Parce que qui fait, nous ne pas cave à payer nous simplement l'eau, nous l'intelligence. Parce que la Bible dit à nous dans Proverbe 14, verset 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de l'amour. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'il est pour prier. Et à comment est-ce que bon Dieu pourrait répondre, Abraham? Bon Dieu pourrait répondre clairement. Déjà, le temps pour demander à Dieu de ni un enfant. Bon Dieu pour clair. Bon Dieu pour dire à lui, le nom de Sarah, il sera Sarah. Quand dit-il la voix divine, elle donnera le jour à des nations. Et des chefs de peuple sortiront d'elle. Donc l'Éternel, tu déjà dit à Abraham clairement que l'enfant promis, tu pouvines de Sarah. Et comment est-ce qu'il y pour répondre? Il pour envoyer ce ban messager. Ban messager divin, ban ange pour aller à Abraham pour dire à lui, tu peux gagner un enfant, et appelle tes enfants Isaac. Donc quand bon Dieu répond, nous la prière, il répond nous clairement. Et il utilise tous les moyens à sa disposition. Il est capable de faire Abraham gagner un rêve. Il est capable de dire à Abraham, il envoie un messager pour dire lui. Quand c'était le temps pour lui gagner un enfant. À ce moment-là, il est capable de dire à nous, mais Abraham et Sarah, tu avancé en âge. C'est de nos jours, et même à cette époque-là, c'était âgé. C'est de nos jours, une madame, 90 ans, enceinte. Qui l'hôpital pour faire? L'hôpital pour faire madame là, avorter. Parce que les risques mort, ses enfants, s'ils en mêlent pas mort, capables, ils n'ont pas de complications, pas de handicap. Donc, au point de vue humain, ben docteur capable de mettre un terme au fait qu'il est enceinte, à cette grossesse. Mais, bon Dieu pour prendre soin de tout. Bon Dieu pour prendre soin de Sarah. Qu'il y gagne une bonne grossesse, qu'il y accouche sans aucune complication. Alors qu'il s'allait pour que la patine a même l'opération qu'il a fait quand il a pas de difficulté. Isaac, point jeune homme, point bébé en pleine forme. Et nous pouvons trouver après que ce sera un époux normal. L'époux comme tout le monde. Alors qu'il. C'est un enfant promis, l'enfant du miracle. Alors ça, c'est une leçon aussi pour nous. Quand nous pouvons prier, connaît qui bon Dieu, lui pour prendre, lui pour faire qui lui répond à nous la prière, et lui pour faire tout lui-même. Nous peinons pour gagner tracas de quoi que ce soit, lui pour prendre soin de l'exaucement de sa prière, de notre prière. Lui-même, il peut venir, il peut intervenir, il peut faire un miracle dans nos vies. Donc nous devons croire qu'il bon Dieu, avec bon Dieu, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Qui est une situation qui est capable de paraître désespérée. Mais bon Dieu, en son temps, il peut faire un miracle extraordinaire. Et lui-même, il peut impliquer dans l'exaucement de ça, la prière. Donc, qui nous capable de continuer à prier, qui nous capable de persévérer, qui nous capable de croire que bon Dieu pour récompenser nous quand nous pouvons mettre en premier dans nous la vie. Nous pouvons faire une bonne requête. Nous pouvons prier pour qu'il se volonté capable de faire. Nous prier pour qu'il se spécifique dans nous la vie. Mais à celle-là qui nous attend, ce Dieu qui en son temps pour répondre. Et il n'est pas pour répondre de façon incertaine, dans la confusion. Mais il répond nous clairement, pareil comme Aline répond Isaac. Et il peut mettre lui-même ce bon agent l'eau de la route. Lui-même, il peut aplanir tous les sentiers. Il peut répondre d'une façon miraculeuse qui... Nous-mêmes, nous vous trouvons cela, mais eh bien, nous, autour de nous, vous trouvez cela, mais agir.
pour qui nous prier. Père éternel, nous t'environs remercier toi pour ce message qui te donne nous, qui renforce nous la foi, qui permet de croire qu'il est un Dieu qui compte en nous, de créer nous, de pouvoir à nous saluer, de nous envoyer ton garçon pour les morts pour nous. Et chaque jour, nous trouver qui, tant qu'on peut prendre soin de chacun de nous. Nous envie croire que tu es un Dieu qui est bon. Nous envie croire que tu es un Dieu qui écoute nous quand nous pouvons prier vers toi. Donne-nous cette persévérance, donne-nous ce courage pour nous atteindre tes réponses, pour qu'il nous atteigne tes miracles accomplis dans nous la vie. Permette que, Seigneur, nous capables de marcher avec toi, malgré les hauts et les bas, qui nous l'espoir, nous disait qu'il est capable de fixer uniquement le toi. Mon Dieu, nous avons des gens qui actuellement ont des problèmes. Je peux prier par rapport à ce problème-là, il est capable d'avoir des problèmes de santé, il est capable d'avoir des problèmes dans la famille, des problèmes de couple, des problèmes par rapport à l'infertilité, par rapport au travail, à l'argent, aux finances, aux enfants même. Seigneur, il est capable d'avoir des enfants dans la case qui peut faire une bêtise, qui peut droguer ou qui dans une addiction, qui peut détruire les autres, qui peut détruire les autres parents et que les frères et sœurs. Mais bon Dieu, nous croyons qu'il est un Dieu qui n'en est pas impossible pour toi, qui te peut trouver un moyen pour libérer tes enfants, qui te peut trouver un moyen pour une parole, pour un signe, pour une circonstance, pour la porte qui est ouverte, qui dans nous la vie, nous peut trouver toi agir. Donne-nous ça la foi en toi, au nom de Jésus. Amen.